Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons revoir, mais modifier, la pâte à croissant. Donc, aujourd'hui, pour la pâte à croissant, il faudra 500 g de farine, 300 ml d'eau, 300 ml d'eau, 100 g de sucre et 10 g de sel, 15 g de levure boulangère déshydratée, 30 g de beurre, voilà, et 210 g de beurre pour l'entourage. Donc, le système de la pâte à croissant, comme on l'a vu la première fois, on va faire le même système qu'avant, sauf qu'il y aura le beurre en plus dans ma pâte à croissant et plus d'œufs. J'ai retiré les œufs, j'ai inversé par le beurre. Je vais mélanger ma levure à ma farine. Voilà, ça c'est pour bien la... Je vais retirer ça pour que ça gêne, pour que vous voyez bien. Voilà. Coucou Grigri, Chrisel, ça va? Voilà, ma levure et ma farine, elle est dedans. Je vais mettre le sucre et le sel. Donc, il y a 100 g de sucre et 10 g de sel. Donc, je mélange. Vous voyez, je fais... Donc là, je mélange sans rien pour l'instant. Donc, comme je vous ai dit, il n'y aura pas d'œuf. On va essayer de le feuilleter un maximum, cette pâte à croissant. Et maintenant, on va intégrer l'eau, tout simplement. Donc, je prépare mon petit morceau de beurre de 30 g que je vais couper en dés. On va aussi l'intégrer, vous allez voir. Voilà. Alors, en coupant ce beurre, ça sera pour assouplir. Vous voyez, je mets des petits morceaux de beurre coupés. Et... Tu vas bien, Christelle? Voilà. Et maintenant, je rassemble tout ce qu'il y a. J'ai encore un petit peu d'eau, je la mets, vous voyez. Voilà. Ça y est, ma pâte à croissant, elle commence à se former. Vous voyez. Donc, je vais récapituler la recette. Donc, ce n'est pas la même pâte à croissant que je vous avais fait voir la dernière fois. Donc, à la place des œufs que je mettais dans la pâte à croissant, j'ai mis du beurre et j'ai retiré l'œuf. Donc, je redonne la recette. 500 g de farine, 300 ml d'eau, 100 g de sucre, 10 g de sel, 15 g de levure boulangère déshydratée et 30 g de beurre pour l'instant dans la recette. Voilà, donc là je commence à lui donner un peu de force. Donc, toujours sans farine, hein, vous voyez. Je ne rajoute jamais de farine. Bon, là je la travaille. Là je donne l'élasticité comme je vous ai expliqué. C'est pour avoir un joli feuilletage, il faut donner aussi un peu d'élasticité. Vous voyez? Ah ouais, j'avais vu. Voilà, là je donne pas mal de force. Vous voyez? J'ai une bonne structure de la pâte. Voilà, vous voyez. Donc c'est vraiment fait maison, manuel, hein. Il n'y a pas de... Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, ma pâte est là. Maintenant, comme tout feuilleté, on va faire une petite croix dessus. Tout à l'heure pour intégrer le beurre. Je vais la mettre 2 petites minutes sans de taper le beurre dans un torchon, légèrement fariné. Et voilà.
Donc là, je réserve pour pouvoir tâter le beurre. Donc, 220 g de beurre, soit un quart du poids de la pâte totale, qu'on va mettre en forme. Donc, on va essayer de l'intégrer tout ça en forme rectangulaire pour pouvoir tout à l'heure, vous voyez. Donc, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps du frigo. On va la taper tout doucement. Je voulais la fariner, hein, pas de problème. Vous voyez, c'est la farine aussi un peu dessous. Alors, je me suis fait une découpe justement pour pouvoir le replier tout à l'heure dessus. Hein. Alors, c'est du beurre que je trouve en grande surface. Hein. J'ai pas pris un beurre sec, tourage spécial en boulangerie. C'est du beurre qu'on trouve de partout. Voilà, donc, vous voyez, je donne une forme à mon beurre. Carré, rectangulaire, comme vous voyez, pour intégrer dans ma pâte. Voilà. Maintenant, on va faire notre premier tour. Donc, on va essayer, au lieu d'en donner 3 aujourd'hui, 3 tours simples, on va faire 2 tours simples et un tour double. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Voilà. Donc, là, mon beurre, je l'ai tapé, je l'ai mis en forme. Ma pâte à croissant, donc, elle est ici. J'ai intégré à la place de l'œuf le beurre, je le répète pour ceux qui arrivent. Et la recette, vous la retrouverez, pas de problème. Et maintenant, on va intégrer ceci dans ce ça, entourage. Donc, vous voyez. Voilà, le beurre dans la pâte. Donc, là, vous voyez, je me sers. La pâte, je l'ai laissée quoi ? 2 minutes reposer. Pas besoin, vous voyez, quand vous regardez la taille, c'est pas besoin d'avoir étalé beaucoup, beaucoup. Justement, je veux aujourd'hui un joli feuilletage. Donc pour avoir un joli feuilletage, je lui donne. Voilà, donc là j'ai fait plus ou moins pour intégrer mon beurre dedans. Voilà. Donc je regarde si ça rentre, c'est parfait. Alors là vous voyez bien, oui, vous mettez le beurre. Alors il y a deux techniques qu'on peut intégrer. Alors là c'est la technique étoile. Vous avez la technique portefeuille, c'est-à-dire vous mettez votre pâte étalée d'un sens que vous repliez dans l'autre d'un coup. Donc c'est la deuxième technique. Bonjour Elise. Voilà, c'est comme ça que vous regardez. Donc voilà, là j'ai bien mis mon beurre. Maintenant on va faire les rabats. D'un côté, vous voyez. De l'autre. Donc j'essaye de bien recouvrir mon beurre. Mon troisième côté. Et mon quatrième côté. Voilà. Donc, on appelle ça en étoile. Donc, vous regardez, je farine un peu dessous légèrement. Maintenant, on va le taper parce que maintenant, on va faire notre premier tour. Oui, oui. Voilà. Donc là, maintenant. Là, je tape mon beurre. Ça sert à rien de trop le taper. Voilà. Maintenant, on va l'étaler. Vous voyez, je me suis pris la forme. Bonjour Jérôme. Bonjour ceux qui y arrivent. Maintenant, on va l'étaler tout simplement. Alors, comme j'ai intégré aujourd'hui de la pâte, de la matière grasse dans ma pâte, ça devrait être beaucoup plus simple pour ceux qui vont le réaliser à la maison pour l'étaler. Vraiment, je. Voilà. Voilà, là, j'ai bientôt mon tour simple de réaliser. J'essaie de prendre une bonne distance pour tout à l'heure. Vous voyez? Donc mon beurre, ça va, il n'a pas transpiré comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne s'en est pas mis de partout.
Et j'ai bien mon beurre qui est intégré dans la pâte. On va faire le premier tour simple. Donc, je réexplique. Un pli. Donc, essayez d'être le plus régulier possible. Voilà. Sur un autre pli. Voilà. Là, on a notre premier tour simple. Je vais essayer de lui donner la forme pour le prochain tour un peu plus large. Voilà. Donc, mon premier tour simple a été réalisé. On est un peu fariné. Maintenant, cette pâte va aller 20 minutes au frigo. Je vais faire un double tour. Et ensuite, 20 minutes encore, je ferai un tour simple. Et là, on arrivera au détaillage que je vous retrouverai pour le prochain live vers, on va dire, 4h, 4h15. Donc, je vous dis à tout à l'heure et reposez-vous bien.